J'ai décidé de faire la spécialité agrobiosciences végétales à l'ENSAT pour son côté agronomique et scientifique, mais aussi et surtout parce que je voulais me spécialiser en fait dans la protection des cultures en lien avec les méthodes alternatives, ce que j'ai pu retrouver au sein de la spécialité agrobiosciences végétales. Je travaille pour le réseau DEFI, je suis chargé de mission au sein du réseau DEFI. C'est un réseau qui s'inscrit dans le programme ministériel de réduction des phytos, Ecophyto. Et le réseau DEFI regroupe 3000 agriculteurs qui sont engagés volontairement dans la réduction des phytos et également une quarantaine de projets qui travaillent sur les mêmes thématiques. Donc en tant que chargé de mission au sein du réseau, je travaille à coordonner et animer ce réseau, donc notamment l'organisation de séminaires de travail, animation de ces réunions, organisation de colloques publics pour présentation des résultats, valorisation également de production de référence. Et on travaille aussi donc à la valorisation et au transfert de ces résultats au travers des autres acteurs agricoles qui sont engagés dans cette réduction des phytos. Rencontre en premier lieu, ouverture d'esprit et évolution tout au long.